Bonsoir, monsieur, dame. Je voudrais remercier Claude. C'est la troisième fois qu'elle m'invite ici pour chanter des pays qui sont proches vraiment à mon cœur. J'ai été évidemment, j'ai chanté pour mon pays la soirée d'Iran et j'ai chanté pour la soirée arménienne. Donc il y a quand même beaucoup d'Arméniens. En Iran, on est très très proche aussi d'eux. Et puis Afghanistan, c'est vraiment, on parle la même langue. On souffre, les femmes de Moyen-Orient, de l'islam radical qui s'est installé comme ça dans nos pays, qui quand même... J'ai vu cette affiche quand elle m'a appelé, elle m'a demandé. Là-haut, elle a écrit « Femme, vie, liberté ». Ça m'a fait beaucoup plaisir. Parce que depuis septembre de l'année avant, les femmes iraniennes se sont soulevées contre ce régime islamique. Des jeunes, vraiment de jeunes générations. Et nous, en Europe et en Occident, on les a soutenus. Moi, j'ai chanté, on a fait chaque dimanche des manifs à Paris. Et le combat continue. On y est encore. Ça va être long, mais c'est sûr qu'il y a une dictature. Ça va faire bientôt 50 ans qu'ils sont là. Donc, il va falloir qu'ils partent et qu'on fait tout pour. Donc, j'admire aussi les courages des femmes afghanes comme vous. Et je pense que cette force aussi qui nous réunit, les femmes iraniennes, afghanes, pakistanaises aussi, de ces régions, quand même, je pense que toutes ensemble, on arrivera à bouger les choses. J'ai vu comment, avec comment elle parlait de fond. Nous, on a parlé comme ça chaque dimanche dans les manifs. J'ai chanté sur les camions, comme ça. Et à chaque fois, on a dit la même chose. Je la comprends vraiment. Et puis, je suis contente que ce soir, je chante avec des musiciens afghans aussi qui ont fui depuis 2 ans en catastrophe. C'est des enfants de Maître Ibrahimi, donc les deux frères qui m'accompagnent ce soir. Youssef Ibrahimi et Homayoun Ibrahimi au tabla et au rebat. Bonsoir à tout le monde. Je vous remercie pour cet événement, spécialement Madame Claude. Et en présence de Madame Honariar et vous tous, je m'appelle Homayoun Ibrahimi, de famille Ibrahimi. Et je suis vraiment tellement content d'être là ce soir avec vous. Et j'aimerais bien de partager notre musique afghane avec Madame Hangama pour vous présenter quelques morceaux. Et I don't want to take a lot of time, so our speech it will be in music. So I'm going to play tabla, and Youssef going to play rebab. Thanks a lot. Merci beaucoup. Thank you.
همون یار وفادار تو
افغانستانه. این دیگه چون تمام خواننده های ایران هم خونده بودن انتخاب کردیم. یه کاری رو من خودم کشف کرده بودم تو موسیقی افغانستان که درد مهاجرت و اینا داشت، خیلی غمگین نیست و ولی خب چون نزدیک نوروز نباید خیلی غمگین باشه. بعد صدای من میاد درست؟ Est-ce que vous m'entendez bien? Non? Oui, oui, je parlais. Mais je regardais les premières rangs, j'ai oublié, excuse-moi. Oui, alors, il y a une chanson que j'adorais, j'avais fait des recherches parce que dans mon répertoire, non seulement je chante plusieurs langues d'Iran, arabe, kurde, azerbaïdjanais et tout ça, mais aussi ça m'intéresse aussi la région, on a en fait la culture commune. Donc, Ouzbékistan, Afghanistan, tout ça, je fais toujours des recherches pour trouver des chansons dans mon répertoire quand je fais un concert. Et cette chanson, Davoud Sarkhosh, j'ai bien aimé parce qu'elle parle un petit peu d'immigration. Ce n'est pas très triste, hein, parce qu'on est une semaine avant le nouvel an de Nowruz, donc on ne va pas être triste. On se bat avec la gaieté et la force, sans tristesse, voilà. Alors, Khasta Naboshi. مسافر یا سمن دارد تنی تو هوای شهر من دارد تنی دورت بگردم وای هنوز بوی وطن
Alors, la dernière chanson qu'on vous chante, ça s'appelle « Une soirée pluvieuse ». Yek shabe baruni. این بچه ها قرار بود دو تا آهنگ افغانی بخونیم، یه دونه ایرانی. بعد بچه ها به من یک شنبه غروب این آهنگ رو فرستادن، من اصلا نمیشناختم. Je dirais en français aussi. N'inquiète pas. Non, mais je dis aussi en français. اصلا نمیشناختم ملودی هیچی. بعد این فرستاد تم کلام چه قشنگه، ملودی چه قشنگه. یک شنبه تا دو شنبه یادش گرفتم. دو شنبه باشون تمرین کردیم، الان داریم اجرا میکنیم. دیگه کم کاستیش ببخشید. Je disais que dimanche soir, ils m'ont envoyé, ces deux frères, ils avaient envie que je chante cette chanson que je connaissais absolument pas. Rien du tout. Dimanche après-midi, ils m'ont envoyé, ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez chanter ça? J'ai écouté, j'ai adoré les paroles, mélodies, tout ça. J'ai mis mes baskets, je suis sortie, je mets mes écouteurs. Deux heures, j'ai marché vite et puis j'ai écouté pour me concentrer. Voilà, donc je l'ai appris. Vous écoutez, chanter
Il savait, dimanche. Donc dimanche à lundi, on peut travailler, voilà. Alors si, on va quand même le plaisir de vous le présenter. Voilà. C'est donc Rastas. شبی بارانی آمد به خانه من و یک شبی بارانی آمد به خانه من پر کرد ز عطر تنش فضای خانه من پر کرد ز عطر تنش فضای لانه من و یک شبی به خانه من و یک شبی بارانی آمد به خانه من پر کرد ز عطر تنش فضای لانه من پر کرد ز عطر تنش فضای لانه من
Allô. Merci beaucoup à tout le monde et merci beaucoup Madame Hangama qui a invité moi et mon frère Oumayoun Ibrahimi et mon frère aussi que Mustapha elle est là avec nous mais elle n'a pas joué avec nous. J'espère que vous aimez les musiques afghanes avec Madame Hangama. Merci beaucoup, c'est gentil.